Salut les potos, bienvenue dans un nouvel épisode où nous allons aller faire un petit tour avec cette E30. Enfin, depuis le temps que on l'attend, on va pouvoir faire les premiers kilomètres en toute sécurité, enfin en légalité plutôt. La sécurité, on ne sait pas encore, mais déjà avec une assurance et un peu tout ce qu'on a besoin pour aller se confronter à la route. Avant de partir se balader, on va faire déjà quelque chose que vous attendez tous, le tirage au sort du gagnant du turbo de l'épisode précédent. Je vais vous montrer aussi, j'ai reçu de la pièce qui est pas mal. Il y a des petits soucis encore à régler qu'on va voir au fur et à mesure de l'épisode, que ce soit il y a des petits problèmes d'arrivée de carburant, vibrations et des petits détails, mais c'est normal, on arrive dans les détails pratiques là, et plus théoriques. C'est que du bonheur. Bref, installez-vous, bienvenue à tous l'équipe. On va passer au tirage au sort du vainqueur du turbo. J'ai fait un tirage au sort sur un site internet qui pioche parmi tous les commentaires et j'affiche le nom du gagnant. Donc félicitations à toi, envoie-moi un message sur Insta et on s'arrange, je te fais partir ça chez toi dès que tu m'envoies ton adresse. Alors, quand j'ai envoyé la vidéo à Maxpeed, quand je leur ai dit que j'avais fait gagner leur turbo parce que j'allais pas m'en servir pour la mienne, ils m'ont demandé si j'avais un autre projet en tête. C'est pour ça que je vais vous faire une petite aparté et vous expliquer deux, trois choses. La E36, comme on a vu, elle sort toujours ses chevaux, elle va bien, mais elle commence un peu à accuser le coup. Le moteur, il a pas, les compressions, elles commencent à être un peu disparates. Et du coup, mon idée, ce serait avec toute l'expérience emmagasinée avec ce moteur et les choix qu'on avait faits, bons ou mauvais, eh ben, j'aimerais en refaire un et améliorer les points là où j'ai merdé sur le premier moteur en fait. C'est là que Maxpeed a dit, eh ben, si tu as besoin de biel, on est là. Donc merci à eux, de ouf. Franchement, ils sont là depuis le début, c'est vraiment un bon partenaire, ils sont grave cool. Et ils permettent de rendre les projets possibles parce qu'une paire de biel, ça vaut quand même un petit billet. Donc l'objectif, c'est de passer en biel forgé, piston forgé aussi. J'ai pas encore commandé les pistons, mais je suis sur le dossier. Bon, les biels Maxpeed, ça bouge pas, hein. 135 mm, vis ARP 2000. Vraie vis ARP 2000. Ce n'est plus à... La robustesse n'est plus à prouver. Il y a un autre partenaire qui a accepté de nous envoyer une paire d'arbres à cam pour du coup M50. B25, c'est pour les vanos. Ça change juste au niveau des poulies d'arbres à cam. Mais en gros, si je n'utilise pas, je passe pas en vanos. Je mets juste une pignonnerie de district vanos et ça le fait. Parce que dans tous les cas, en fait, les specs de ces arbres, elles sont beaucoup mieux que les arbres à cam non vanos. Là, je crois qu'on est à... Je veux pas dire bêtises, je vais afficher les levées et les ouvertures. Mais en gros, ça, donc c'est un partenaire. Je vous affiche son Insta aussi. Il s'appelle US Buy For You. Ça vient de Chine. Et ça a l'air d'être vachement bien fini en vrai. J'ai hâte de les tester. Donc, ça fait qu'on a des arbres à cam de porc, des bielles forgées. Il va nous manquer les pistons. Et le but, c'est que je vais mettre un vilot de 2,8 aussi. Il faut juste que j'aille le chercher. Là, je l'ai trouvé. Et en gros, on va faire un B28 turbo avec des gros arbres et qui va souffler correctement. Avec un turbo assez petit, on va pas décomprimer. On va faire un RV acceptable. On va même l'augmenter un peu, je pense. Et puis ça va être beauté. Bon, assez parlé des pièces perf du futur moteur. Pour les pièces de la vie de tous les jours, nous avons encore une fois notre fidèle partenaire Autodoc qui nous a prêté main forte pour la E30 cette fois. On va en parler dans la vidéo, j'en ai déjà parlé, j'ai un problème de pression d'huile. J'ai préféré prendre de l'avance et j'ai commandé des coussinets en code standard parce que je pense que le problème peut venir de là. J'ai commandé de quoi faire également une vidange à la 1060 avant de passer aux coussinets, voir si j'arrive à récupérer. Grand merci à eux. Pour rappel, Autodoc, c'est site de vente de pièces auto en ligne, disponible dans plus de 26 pays. Ils ont un choix de pièces qui est intarissable. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de prendre la référence sur IOM et de la coller dans Autodoc pour être sûr de recevoir la bonne pièce. Ils ont une application mobile qui est grave bien faite. Tu rentres ton véhicule et tu as accès à toutes les catégories de pièces dont tu peux avoir besoin.
Et tu peux également assurer ta commande pour 4 euros. Ce qui fait que même si tu te trompes de pièce, ils prennent le retour à leur charge, ils te remboursent direct, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à utiliser le code promo CARPARTED qui vous donne 5%. J'ai vu que vous avez été nombreux à l'utiliser, ça fait plaisir et donc ça, je suis content de pouvoir partager ça avec vous. Plus vous allez l'utiliser, plus on pourra pérenniser le partenariat, je le dis à chaque fois, mais c'est grâce à vous que tout ça est possible. Donc un grand merci à Autodoc. Et tout de suite, on va commencer les vrais problèmes. C'est bien beau d'ouvrir les cadeaux de Noël, mais il va falloir qu'on parle des choses un peu moins glams. Voici la pompe à essence de ma E30. J'ai eu un problème d'arrivée de carburant, mais je pense que je sais pourquoi. Cette durée ne doit pas qu'il fait ça. Je vais essayer de faire passer ça mieux. Du coup, pour faire suite au souci là de coude non désiré et qui me pliait ma durite, eh ben j'ai remplacé ça là. Parce que en gros, quand je suis allé chez le plombier, il m'avait donné une solution de provisoire et en fait ça va pas du tout. Donc là, on va pouvoir normalement annuler le coude et venir se relier comme ça. On va aller maqueter pour voir. De retour sur mon terrain de jeu favori, les graviers. Ah non, ça y est, ça a arrêté d'être sous presse. La dernière fois, c'était pas la même. Bon, démontage. Hop. Alors, bon, c'est pas ouf, mais au moins déjà il n'y a plus le coude. Et en fait, il faudrait que je vais raccourcir encore celle-ci et je vais faire une patte de fixation parce que là, ça branle, enfin, ça ne tient pas. Mais déjà, on est tranquille au niveau de la durite ici. Et en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais me commander un banjo pour là et puis après un petit support. Il y en a un qui existe d'origine, hein, évidemment, il n'y était pas donc. Je vais en refabriquer un. Mais voilà, chaque chose en son temps. Je voudrais déjà voir si... Parce qu'elle faisait un bruit assez chelou. Enfin, on sentait qu'elle forçait la pompe. Et j'aimerais bien voir si déjà là, sans le coude, elle fait un bruit différent. Et puis si la voiture se comporte mieux, surtout. Test de fuite, numéro 1. Ah! Elle fait déjà un autre bruit, hein, si je puis me permettre. Serions-nous prêts pour le first ride ever ensemble ? Semblerait que oui. J'ai à présent mis des plaques d'IMAT, j'ai tout. Welcome on board. Alors. Bon, bienvenue les gars. J'ai une assurance, j'ai pas encore le CP, mais j'espère qu'ils comprendront. J'ai la boucle de ceinture, j'ai tout, j'ai des phares. Là, on peut aller quand même... voir ce que ça dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, il y a pas mal de choses à dont on doit parler. La première, c'est le shifter. En gros, mon shifter, comment expliquer? Si je le laisse en position neutrale comme ça et que je vais tout droit, je suis en 5 et c'est pas ce qu'on veut, enfin c'est pas normal. Et j'ai fait une tringlerie réglable. Donc je peux modifier l'angle, tu vois, mais ça change rien. Bon, j'ai fait même pas un kilomètre avec la voiture, hein, parce que j'ai vu que j'avais un problème d'arrivée d'essence. Mais en fait, j'allume les phares. Je passe la 2. Alors, j'ai toujours pas résolu mon problème de pression d'huile. Mais quand t'es en charge, ça va, on va dire. C'est quand t'es au ralenti que c'est moins ouf.
ça c'est un peu relou. Mais bon, déjà, ça a l'air de se déplacer correct. Hein. L'autre coup, j'avais essayé de faire... Si, il y a un petit claquement dans le... dans les trains, je sais pas encore. Je pense que c'est la barre stable, j'ai un doute. Parce que, pareil, il faudra que je vous montre. Mais à part ça, en vrai... Je sais pas si vous entendez, ça bourdonne. C'est un peu... J'ai toujours la carte au open bank, je me suis pas reçu, j'ai pas reçoivé, enfin, j'ai pas reflashé, pardon. On va aller dire bonjour chez le collègue. J'ai le poteau néo de la street. Bon, c'est le rodage, hein, mais... à prendre un peu de plaisir. Je vais t'expliquer, je suis allé faire un petit tour avant de filmer, enfin pas là aujourd'hui mais la semaine dernière, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait eu un problème avec l'essence, parce que j'avais voulu mettre, j'étais sur la NAS pareil là, et j'ai voulu mettre gaz, et genre elle a pas la couper, mais tu sais elle s'est étouffée, et du coup bah je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'arrivée de carburant. Salut Stéphano! Ça va? Ouais, et toi? Tu roules un peu? Ouais, bah premier tour de roue là! Ouais! Y'a quoi? Ah merde! La voiture dans le garage! Ouais! Attends! Fuite de carburant! Bien fait de venir jusqu'ici! D'où ça vient, je sais pas, c'est réinduré tout court. Ouais, c'est bas. Ouais, du ouais, coup, c'est la, ouais, c'est Greg. du coup, c'est la, je crois que c'est la durite qui sort du réservoir et qui vient à la pompe. Donc, c'est pas celle que j'ai touchée, c'est celle qui vient d'au-dessus. Sauf qu'elle est prise en sandwich entre bah, la caisse et le réservoir. Donc, je pense que je vais devoir me taper une petite dépose de réservoir. Mais au moins, ça permettra de faire le truc propre. Parce que c'est normal, là, dès que tu fiabilises un endroit, bah, ça pète à l'autre endroit le plus faible. Comme dirait le PL, une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, quoi. Donc, du coup, bon, ça va, je vais pouvoir rentrer avec. Mais en plus, ça a l'air de bien marcher, là, maintenant. Ça me fait plaisir. Ah, tiens, si, viens voir pour le chiffre. En gros... Ce que j'ai essayé d'expliquer pour le shifter là, c'est que
Là, je suis en position neutre, donc tu as l'impression qu'il est droit. Et si je fais ça, enfin, si je pousse tout droit, en fait, bah là, je suis en 5, tu vois, et c'est pas normal, je devrais être en 3, et je peux pas aller à droite. Par contre, je peux aller à gauche, tu vois, et si je veux aller en marche arrière, faut le dénuquer, tu vois, le bordel. Et c'est pas normal, tu vois, genre là, parce qu'après, t'as la grille est bonne. 1, 2, 3, enfin non, c'est là, je suis sûr que je suis en 5. Mais tu vois, entre la 1 et la 5, il n'y a rien. Là, je suis en 1, là, je suis en 3, là, je suis en 5. Mais c'est pas normal que ce soit tout comme ça, tu vois. Mais c'est normal, c'est pas très... Non, mais elle est réglable, la tringlerie. J'ai essayé dans toutes les positions, ça me change rien, en fait. Ce qui est pas normal, c'est qu'en position neutre, il aille en 5 en allant tout droit, tu vois. Non, ça devrait... Bah, c'est parce que c'était desserré. La biellette ? Ouais. Mais moi, je viens de la faire 10 fois avec Guillaume, mais ça m'a rien changé, je comprends pas. Mais pourtant, tu sais, la grille est bonne. C'est juste que... Bon, très bien, Pélo. Ça fait déjà... en vrai, ça fait plaisir. Elle est plus au garage, mec. Et je suis venu tout seul. Oui. Comme un grand. Bravo. Félicitations, c'est Thomas. Bon, faut pas trop que je reste au ralenti, sinon les abonnés vont voir que ma pression d'huile est en dessous d'un bar. Bon, allez, poteau, à tout. Hop. La sécurité avant tout. Bon, il y a une petite fuite, alors on va... On va pas aller se balader. Putain, je vais la dégueulasser. Et c'est ça qui est génial et que je voulais et que je suis content, c'est que t'as vu avec le calculateur d'origine, la gestion du ralenti et tout, enfin tu sais, genre ça se conduit comme une caisse sortie comme ça quoi. Les fenêtres fonctionnent. Normalement, bah tu sais, on a un peu l'habitude, mais pas tant en vrai. Bah surtout les 30. Bon, bah là, je suis là pour un moment. 0,3 bar, 0,2 bar, c'est une pression acceptable ça? Pas du tout. Je trouve que c'est pas du tout acceptable. Je vais prendre un risque. Mon compteur est pas attaché. Tableau de bord et tout là, 74 partout, ça c'est bon ça, parce que j'ai pas relié mon spal non plus, mais le faisceau est en cours de prépa, on va le faire dans l'épisode je pense. Putain, ça coule à flot là, en fait ça se trouve c'est le retour, je ne sais pas. Discharge outside, c'est peut-être ça la mise à l'air, et c'est celle-ci qui serait côté passager sous le conducteur, tu vois. Et okay. Elle, ah, elle est peut-être prise. Peut-être ça, du coup, celle-ci. L'autre, tu vois, elle va bien dans le décanteur, mais celle-ci, c'est peut-être juste elle qui serait pas. Ou pincée, peut-être. Pincée, ouais. Celle-ci qui serait bouchée. Là, je peux regarder par en dessous de l'autre côté si je la vois. J'ai regardé, mais je l'ai pas trouvé. Mais peut-être tu connais mieux que moi aussi. Ouais, mais... je vais regarder. Le mystère est résolu. Il y a peut-être un mec. Enfin. Le gars qui a construit la bagnole qui s'est planté et qui aurait relié le retour d'essence sur la mise à l'air. Ce qui fait que en fait ça venait me remplir direct mon réservoir tampon et ça mettait tout en pression.
Et pourquoi je me suis fait induire en erreur? Parce que je pense que c'est ce que les précédents proprios avaient fait en fait. Et du coup, ben voilà, je suis bon pour déposer mon réservoir. J'étais pas sûr et maintenant je le suis. Mais au moins on progresse. Encore un problème qui va se résoudre. Le seul problème, c'est qu'à chaque fois que je trouve des pannes à la con, enfin, c'est pas moi qui ai trouvé, c'est Guillaume. Et du coup, je passe pour un bien piètre personnage. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça te fait quoi de travailler avec un demeuré? Si les tuyaux arrivent au même endroit et que t'as pas eu de 30 avant, tu peux pas le savoir. Et puis, hein. Comment je pouvais savoir qu'une durite d'air était pas aussi rigide qu'une durite d'air? Ouais, mais elle ressemble vraiment à une durite de blow-by. Bah, elle est un peu molle maintenant qu'on en parle. Mais je pense que voilà. Molle. Bravo, encore une panne de résolu. Bon, on va peut-être s'en sortir sans déposer le réservoir. Je lui ai donné du mou là. Et là, une fois qu'on est sur le pont, en vrai, on a grave la place. Enfin, c'est beaucoup plus pratique que par terre. Donc je vais relier une durite et ce sera de l'histoire ancienne. Bonjour Tony. Bonjour. Bienvenue. Payé de clochard. Ah mais lui il l'a à la fac. Putain, t'es mieux outillé que nous Tony. C'est quand même... Tu sers fort ou... Tu verras toi. Un quart de tour avant que ça foire. Et si j'ai fait un quart de tour après que ça foire, c'est trop. Ça c'est débutant. Ça arrive à tout le monde. Je sais pas si je me renommerais pas Guillaume Travelling sur Instagram. Guillaume quoi? Travelling. Parce que je fais des plans qui déchirent. Qui ferait pas lire Mendes. Ouais. Bon, voici le setup final. Je mets à coup pas, j'avais relié cette durée de merde en retour. Enfin, tout est de ma faute. C'est une mise à l'air. J'accepte de porter le bonnet d'âne. Et putain, mon scotch c'est dégueulasse là. Montre pas trop près. Pardon. Bon bah là ça devrait... Ouais, on va mettre en route, voir si ça fuit. On va aller là-haut. Bon, j'ai rechangé d'avis. J'ai changé la pompe de sens. Et je vais remplacer cette durite. Vu que j'en ai racheté une neuve. Je vais la fixer au bout d'ici. Et je vais tirer en fait pour la faire passer. Voici le vrai setup final. Du coup, avec les banjos de chaque côté. Et je l'ai retourné la pompe, comme ça les câbles d'alimentation ça lui tire moins dessus. Et le retour il peut avoir un plus long chemin, donc ça fait beaucoup moins d'angle. Et là toutes les durites sont neuves, donc maintenant je veux plus en entendre parler de ces histoires. Est-ce que c'est compris? Je considère que c'est du définitif. Ah, et après on va pouvoir mettre en... C'est génial ce petit bâtonnet de l'enfer. On va pouvoir, limite, je pourrais mettre une vitesse et voir ce qui tremble. Ouais, on peut en profiter pour faire ça. Ah, heureusement qu'elle est suivie. C'est beau. Malheur. C'est beau. Qu'est-ce qu'on fait pas pour que l'arpète ramène une deuxième bière? C'est l'effervescence dans le garage du fun, tout le monde est à son poste. La dernière fois qu'on est allé essayer une voiture avec Tony, on a failli taper une biche. Ouais. Ah oui, il y en a, oui, la petite du retour. Ouais, mais là, de toute façon, normalement, le retour, ouais. Il devrait plus. Bah vas-y, mets déjà le contact qu'on met en route. Je vais brancher la batterie et je mets le contact. C'est le palier qui tourne. C'est lui qui gratte. Ouais, regarde, il y a une bague orange là. Ouais, je la vois. Et c'est elle qui bouge un peu. Et je pense pas que ce soit ça le... Ouais, c'est vrai qu'il vibre, hein, on le voit. Ouais, regarde, ouais. Ah oui, d'accord. Toi. Combien? Continue. C'est vers les 80.
Bon, on était en train du coup de faire un petit test roue en l'air pour se rendre compte des vibrations de l'arbre de transmission. Et en fait, j'ai vu un truc dans la notice de réparation BM que MXBop il m'a envoyé. Merci mon poteau. C'est qu'en gros, les arbres sont équilibrés d'origine. Ça, c'est une certitude. Et il t'explique en fait, BM, que t'as qu'une chance sur deux pour te tromper. C'est qu'en gros, là, ton croisillon, il t'explique qu'il doit être sur le même plan que celui du pont. Derrière là, tu vois, regarde, là je me suis mis à plat, enfin à l'horizontale, tu vois, les deux vis, pour que le croisillon soit sur l'angle, sur un plan plat, si je puis, enfin je sais pas si c'est compréhensible, et je dois retrouver en fait le croisillon à plat ici aussi, et il ne l'est pas, ce qui veut dire que ça, le palier a déjà été changé et qu'ils ont remonté n'importe comment. Moi je l'ai récupéré comme ça, c'est un arbre de 3,24 TD, et j'ai pas vérifié, je n'étais pas au courant de cette info. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander le palier de transmission et puis je vais changer et j'ai qu'une chance sur deux, je remettrai à plat et on verra déjà si ça permet de solutionner un petit peu ce problème de vibration. Maintenant qu'on est tranquille au niveau de la pompe à essence et du circuit de carburant, qu'on est sûr qu'il n'y a plus de fuite, que c'est bien relié comme il le fallait, il n'y a plus de restrictions et je veux faire un dernier test. C'est de passer en 10-60. J'ai déjà les coussinets comme je vous ai montré. Mais en gros, je veux voir là, comme elle est assez critique et que ça, on est à 0,5 bar près, je veux voir si ben, passer de la 10-40 à la 10-60, ça change quelque chose. Et on va, comme on a les valeurs là à la 10-40, et ben, on va voir tout de suite ce que ça change. À froid, à chaud, j'ai les valeurs. Donc, et après, ben, si ça ne suffit pas, dans le prochain épisode, coussinets. Est-ce qu'on peut voir des traces déjà de ma pression d'huile faiblarde? Est-ce qu'on a des bouts de coussinets? Ouais, il y a une petite paillette, mais c'est plutôt ça, je me fais pas de soucis au début. Rodage. En même temps, j'ai fait 20 kills. J'ai envie de le remettre. Je vais le laisser dedans, je crois. Je vais pas embaucher un peu. Il est neuf, le truc. Je vais le remettre. Ça, regarde ce que je suis en train de voir. En fait, la sonde de température d'huile, elle vient écraser ton filtre. Je vais en faire part à mon ami JR Parks. Ça, c'est pas fou, hein, en vrai. Mais bon, je pense qu'il est déjà au courant, en fait. Parce qu'il a fait une version upgrade des couvercles. Où en fait les ports ils vont venir horizontalement. Je lui en ai commandé un, j'attends qu'il me l'envoie. Je vous montrerai ça dans un futur épisode. Et en plus en les mettant là, ben ça fait que tu te fais pas chier. Enfin, ça fera plus chouette. Oh là là. J'ai toujours peur maintenant. Ça n'a jamais roulé. En même temps.
quantité 6 litres. Surtout un peu moins, enfin tu fais à la jauge. Mais... Bien, petit tuto, électricité et branchement SPAL. Bon, déjà, on va éteindre un mythe tout de suite. C'est que les SPAL aftermarket sont jamais plus puissants qu'un SPAL d'origine. Genre sur les E46, là, ils ont des SPAL électriques d'origine, les BM. Et ben, c'est, tu ne trouveras pas plus puissant. Je crois que c'est du 800 watts ou tu peux avoir jusqu'à 1000 watts. Alors qu'un SPAL bien dimensionné, ça va te donner 300 watts. Donc déjà, de base, c'est une mauvaise idée de... Bon, après, si tu es en visco, que tu veux passer en SPAL parce que tu as le droit. Et moi, je passe en SPAL parce que mon visco ne passe pas, en fait. Entre le radia et la poulie de pompe à eau, il n'y a pas assez de place pour visser un visco coupleur. Je précise que sur ma E36 Turbo, je suis en visco coupleur et ça va très bien. Quand ton radiateur est bien dimensionné, t'as pas besoin... Enfin, le SPAL, ça doit être un sauveur. C'est pas lui qui doit régir la température. Si ton SPAL, il est allumé en permanence, c'est pas bon. Bref, petit aparté terminé, je vais quand même vous montrer comment ça marche pour relier un SPAL. Si tu pars de zéro comme moi. La pièce principale du montage, ça va être un relais qui est représenté ici. Un relais, ça a 4 broches. Je repars de zéro parce que je sais que tout le monde n'a pas le même niveau. Il faut voir ça comme un interrupteur électrique. Il y a un circuit de commande qui va venir fermer un circuit de puissance. Ton SPAL, c'est ce qu'on appelle le circuit de puissance. C'est des gros câbles, beaucoup de courant qui le circulent. Donc en fait, tu ne peux pas mettre un interrupteur tout simple parce que tu risquerais de faire des arcs électriques et ce n'est pas comme ça que ça doit fonctionner. C'est pour ça qu'on a inventé les relais qui sont ni plus ni moins que des interrupteurs électriques. Le schéma est donc tout simple. Je vous ai dessiné le SPAL qui a un plus, un moins. T'as deux fils sur ton SPAL. Moi, j'ai déjà relié une petite prise étanche. Et ensuite, voici comment la magie va opérer. Tu as ta batterie qui est reliée à la masse. Et tu vas prendre un gros plus, comme celui-ci. Tu vas aller relier ça à ton plus 12 volts. Ici, c'est un porte-fusible dans lequel... Tu as un fusible. Ensuite, tu vas venir donc à la borne. En fait, ton circuit de commande, c'est les bornes 85 et 86 de ton relais. Et ça va commander le circuit de puissance. C'est les bornes 30 et 87. Et en fait, c'est du coup le 86. C'est quand on va amener à la masse une des trois sorties, on va en fait générer une différence de potentiel et faire claquer le relais et donc alimenter notre SPAL. Maintenant, on a plusieurs solutions pour faire claquer notre relais. Soit on met un interrupteur manuel comme la plupart des gens font, et je trouve pas ça dingue, mais ça te permet d'avoir une marche forcée si tu estimes qu'il faut faire fonctionner ton SPAL au cas où. Après, tu as le thermocontact. Moi, c'est ce que j'utilise. C'est juste un interrupteur. C'est une sonde, en fait, qui est interrupteur. C'est-à-dire qu'arrivé à une certaine température, tu vois, 85, 90, 95, tu peux le choisir également en fonction de celui que tu achètes. Eh bien, c'est lui qui va arriver à la température consigne, fermer le contact et donc te mettre à la masse. Et une dernière possibilité qu'on aurait pu faire si j'avais pris le SPAL de la E46, c'est qu'en gros, le MS43, il contrôle avec ta sonde de température d'eau moteur. Enfin, il a l'info, et ben il peut contrôler la vitesse du SPAL. Donc ça, c'est la meilleure des solutions. Mais moi, j'ai pas le SPAL de la E46 d'origine, tu vois. Et ce que Guillaume a fait, pour se donner un petit indicateur, pour ceux qui veulent, parce que tu peux avoir plusieurs façons de le déclencher. Tu peux avoir ton thermocontact, tu peux également avoir ton interrupteur. Et c'est le premier qui le mettra en route qui fera mise à la masse. Et donc, c'est pour ça que tu peux rajouter une petite LED sur les fils d'alimentation de ton SPAL pour voir quand est-ce qu'il est en marche, en fait. Ça, tu le ramènes dans l'habitacle et ça te permet de voir si, par exemple, ton thermocontact a déjà claqué, et ben quand ton SPAL est en route, tu auras ta LED qui est alimentée. Voilà, ça fait beaucoup pour pas grand-chose. Mais au moins, vous pouvez faire une capture d'écran et le reproduire chez vous. Et maintenant, nous, on va le faire en vrai. Alors, nous voici dans la baie moteur. Vu que j'ai mis de la batterie dans le coffre, je fais arriver mon gros plus de la batterie ici. Et après, il me distribue à tout ce dont il a besoin. Il se trouve que j'ai encore un petit piquage ici disponible. Donc, on part de là. J'ai mon fusible. J'arrive à mon relais. Le relais... Hop,
je les mets ici, il y avait une petite pâte et tout, donc nickel. On va aller au radia. Donc là, il y a mon thermocontact. Ici, je me suis fait une petite connectique étanche que tu peux déclipser à ta guise. Voilà. Donc le spal, le thermocontact. Et donc ma ribambelle de câble. Et ben voilà, je vais gainer ici. Bon, pour trouver qui est le plus et qui est le moins, ce qui peut tourner dans les deux sens, le spal, on va faire le test de la feuille. Dans le mauvais sens, là, il aspire. Ah, là, c'est bon, ça souffle. Ok. Bon, du coup, si on n'a pas été trop mauvais, le spal, c'est bon, le thermocontact est relié, le relais est installé définitivement, c'est bon. Je viens de remettre de la 1060 Manol. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais la mettre en route, voir ce que ça dit avec la pompe à essence, le circuit de carburant. Et on va la laisser chauffer pour voir, arriver à 75 degrés, 80, combien on a en pression d'huile. Est-ce que ça nous a augmenté le grade? Enfin, est-ce que ça a permis de récupérer la pression manquante? Et on va voir également si le spal se déclenche. Et ce sera. Ça nous donnera toutes les infos pour la suite, savoir si on se tape les coussinets ou pas. Ça fait beaucoup moins de bruit. Ça n'a pas l'air de changer grand chose déjà à froid. J'avais à peu près ça, je crois. On va voir dans quelques minutes. Bon, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, le thermostat vient de s'ouvrir. Donc, notre eau est à 80. Le moteur à 68, la pression d'huile, je pense que c'est un peu mieux. Pour l'instant, on est encore aux alentours du bar, fatidique. Bon, on verra ce que ça dit. On va attendre le déclenchement du spal et on verra. Mais je crois que, ouais, normalement, j'ai moins. À 70. Mémoire à 70, j'avais 0. Enfin, franchement, ça a peut-être changé, hein, juste de mettre de la 1060. Hein. Job toute l'année, je fais plaisir à Néo. Je pense que c'est mieux en vrai. Hein. L'espal. Pour l'instant, l'espal n'a pas encore déclenché. Ça y est, à 96 degrés, il s'est mis en route. Et du coup, ça redescend instantanément, c'est bien. Et la pression d'huile, on est aux alentours d'un bar. Des fois, il y a des petites chutes à 0,7. Mais en vrai, rien à voir avec la 1040 hein, du Noroto. Ah, voilà, il vient de se couper. Eh ben, c'est parfait. Voilà, 86, tu vois. T'as, ça, c'est efficace. Hein. Bon, et ben, je pense que c'est validé. Bon, c'est une très bonne nouvelle, ça. Je suis content parce que, je suis soulagé pour mon histoire de pression d'huile. C'est Guillaume qui m'avait dit, commence par mettre de la 1060 avant de tomber le carter. Et, il a eu du flair. Du coup, en fait, ça veut dire que, tu vois, juste un grade plus élevé, ça peut compenser, on va dire, ça joue vraiment. Pour là, par exemple, tu vois, si je me suis mis une balle dans le pied avec les coussinets côte HX, et là, j'ai pu rattraper, on va dire, le petit jeu avec la 1060. Et il va me rester mon problème de shifter qui est un peu handicapant. Je vais me pencher dessus, là, faut que je regarde pourquoi ça va pas. Et puis après, on va
bientôt être prêt pour aller au CT, quoi. Donc, je vais vous laisser là-dessus pour cet épisode. Encore bravo aux gagnants du Turbo. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta. Et puis, n'hésitez pas non plus à utiliser le code promo CARPARTED. Voilà, les gars. À la prochaine. Ciao.